venons pour la fidélité. Nous te confions, Seigneur, nos cœurs, nos pensées. Nous prions, Père, pour personne. Cet après-midi, que ton nom soit élevé au milieu de nos pas. Nos pensées, Seigneur, te sont soumises au nom de Yeshua. Amen. Gloire à Dieu. Merci en tout cas pour les frères et sœurs d'ici et là, du 78 de Chartres, qui nous encourage beaucoup. Et vous qui venez également d'ici et là. Quelqu'un a-t-il une question à poser? Oui. On va lui passer le micro. Bonjour. Bonjour. Hugues, moi j'en profite, j'ai deux questions. La première, est-ce que la cure d'âme est biblique, notamment en se référant à Jean 20, 21 à 23? Et deuxième question, qui a écrit les évangiles? Parce qu'il y a beaucoup de polémiques par rapport aux auteurs des évangiles. Et quand je lis les évangiles, c'est souvent la troisième personne qui est utilisée et non le je, la première personne du singulier. D'accord. La cure d'âme n'est pas du tout biblique. Et elle a été mise en place pour pallier le manque de la présence de Dieu, de l'esprit, du don de discernement, justement, dans nos assemblées. Et le Seigneur a donné le don de l'esprit aux hommes afin qu'ils aient accès aux choses secrètes. Pardon. Et par exemple, dans Actes chapitre 5, quand Ananias et Saphira ont menti au Seigneur, Pierre l'a su parce qu'il avait la parole de connaissance et le discernement des esprits. Donc, celui qui a l'esprit de Dieu n'a pas besoin de curer l'âme de gens. L'esprit lui donne à avoir la connaissance nécessaire. Voilà. Donc, et la cure d'âme a été mise en place par les catholiques, bien sûr, par l'Église romaine, et développée par Calvin. Calvin a confié au pasteur deux fonctions essentielles, le sermon, ensuite la célébration de l'Eucharistie, et il a rajouté une troisième fonction, notamment la cure d'âme. Donc d'où le mot curé, justement, les curés. Voilà. Et les évangiles ont été écrits par Matthieu, Marc par Marc, Jean par Jean, et Luc par Luc. Donc, voilà, ça c'est, y a pas de problème là-dessus. Si. Oui. Le micro arrive. Denis, ça peut y aller à la main. Est-ce que croire, c'est obéir? Croire en Dieu, c'est obéir? Oui, croire en Dieu, et oui, ça a un rapport avec l'obéissance, et bien sûr, et écouter aussi, c'est obéir, parce que Shema Israël, Shema en hébreu, c'est écouter aussi et aussi obéir. Donc croire en Dieu, c'est la foi, c'est l'obéissance. La croyance, c'est autre chose. Tout le monde est croyant. Les démons croient aussi. Tout homme est croyant, même les athées, ils croient en l'athéisme, donc ils sont croyants, mais ils ne sont pas obéissants. Merci. Moi, j'ai une question concernant le millénaire, parce qu'on sait que que Satan sera lié, comme le dit en Apocalypse 21 et tout, mais je ne comprends pas pourquoi dans le livre d'Ésaïe 65, à partir du verset 17, jusqu'à la fin 25, les questions des personnes qui vont encore mourir à l'âge de 100 ans, par exemple. Alors que Satan sera lié, il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de pleurs. Voilà. Donc ça, c'est un des problèmes que nous avons avec le langage, prophétique. Et Dieu est le Dieu prophétique. Et je prends un exemple. Vous savez, la Bible que nous avons entre nos mains est
ce livre, la parole de Dieu, est une épée. Et on peut s'en servir pour deux raisons. Premièrement, on peut s'en servir pour combattre ses ennemis, attaquer les autres. On peut aussi s'auto-détruire si on la manie mal. Donc, il faut faire ce qu'on... En fait, pour comprendre la parole, il faut avoir plusieurs... une bonne approche. Il y a cette approche qu'on appelle l'interprétation allégorique ou symbolique. C'est-à-dire, quand le Seigneur dit, par exemple, dans Matthieu chapitre 5, « Si ton œil droit est une occasion de chute pour toi, il faut l'arracher. » Là, on ne peut pas faire une interprétation littérale. Sinon, on aura des problèmes, n'est-ce pas? On ne peut pas arracher son œil littéralement parce qu'on n'a pas compris cette parole. En fait, c'est une interprétation allégorique. C'est-à-dire, l'œil, c'est tout ce que l'on voit, les choses que l'on voit. Ça peut être la télévision. Voilà. Donc, il faut s'en séparer. Et si ta main gauche est une occasion de chute pour toi, il faut la couper. Là, il est question de la mauvaise compagnie, n'est-ce pas? Il faut s'en séparer. Donc, il ne faut pas la couper physiquement. Et il y a aussi l'interprétation littérale qu'il faut faire. Pendant quand la Bible nous dit que le Seigneur va revenir sur terre, là, on ne peut pas faire une interprétation allégorique parce qu'il reviendra réellement. Pareil, quand le prophète Ésaïe dit que ceux qui mourront à 100 ans et auront vécu largement, en gros. En fait, c'est une image pour nous montrer que les gens ne mourront pas. C'est un langage prophétique pour nous montrer que les gens vont vivre vraiment jusqu'à la fin du millénium. S'il en est ainsi, pourquoi est-ce que dans l'Apocalypse 22, il est question de l'arbre de vie et des feuilles qu'on doit manger justement pour ne pas mourir, alors que la maladie et tout ça. Je veux comprendre par rapport au fait que l'Église, qui est donc sanctifiée, aura revêtu, bon, tous ceux qui la composent auront revêtu un corps nouveau. Mais est-ce que dans ce corps, on peut encore avoir besoin des feuilles pour... En fait, non. Donc, tu vois bien que dans Apocalypse 22 et dans Ézéchiel 47, parce qu'en fait, Apocalypse 22, là où il est question de cet arbre, dont les feuilles sont utilisées pour, n'est-ce pas, la guérison des nations, ce passage d'Apocalypse 22, Jean a tiré cette parole d'Ézéchiel 47. Et il est question de la guérison des nations et non de l'Église, et non d'Israël. Il est question des nations, c'est-à-dire les goïms, ceux qui n'ont pas, n'est-ce pas, reçu Yeshua comme leur maître. Et les feuilles de l'arbre de vie seront utilisées pour leur restauration. Et quand Yeshua va revenir en fait sur terre, il va restaurer les nations. Parce que la guérison, là, c'est la restauration des nations. D'accord? Donc, c'est ça, en fait. Et donc, parce que Apocalypse 7 nous dit que les nations vont se convertir pendant le millénium. Voilà. Donc beaucoup de nations, pas toutes les nations, mais des peuples issus de toutes les nations vont se convertir pendant le millénium. C'est ce qu'Apocalypse 7 nous dit. Tu le savais, ça? Je savais que les nations vont se convertir. Pas toutes les nations, mais des peuples issus de toutes les nations. Pour les autres, alors, parce qu'il est aussi question des peuples qui viendront justement, des rois de la terre qui apporteront leurs trésors à Jérusalem, parce que... Ils attraperont le pan des robes des Juifs pour leur dire « Le véritable Dieu, c'est chez vous » et tout cela. Donc, je me dis, ben, s'il n'y a qu'une partie des peuples qui seront guéris parce qu'ils vont se convertir, et les autres, est-ce que c'est toujours dans le millénaire ou c'est en dehors? C'est ça ma question aussi. Non, c'est pendant le millénium. Le millénium, oui. Voilà, pendant le millénium, les nations, nous dit la parole, notamment Zacharie 14, les nations vont monter chaque année à Jérusalem pour célébrer la fête de tabernacle. Pour adorer Yahweh, Yeshua, donc chaque année. Et en fait, Dieu, pendant le millénium, va restaurer, et, n'est-ce pas ce qu'on appelle la théocratie, c'est-à-dire le gouvernement de Dieu sur terre, hein, comme à l'époque d'Israël. En fait, si tu veux comprendre le millénium, il faut aussi comprendre l'histoire juive, en fait, comment les Juifs vivaient, la vie de Dieu dans leur nation. Au sein de leur nation. Chaque année, nous dit Exode 16, chaque année, tous les hommes devaient se présenter, n'est-ce pas, trois fois devant Yahweh. Et ils ne devaient pas y aller les mains vides. Ils devaient y aller lors de la fête de la Pâque, lors de la fête de la Pentecôte, lors de la fête des tabernacles. Il y en avait sept en tout, mais ces trois fêtes
constitue ce qu'on appelle les fêtes du pèlerinage. Donc, chaque année, les Juifs faisaient leur pèlerinage à Jérusalem. Donc, les Juifs des 12 tribus. Donc, toutes les tribus, chaque année, trois fois, donc par an, allaient à Jérusalem. Donc, c'est l'image du millénium, en fait. D'accord ? Eh bien, nous, ça va être pareil. Chaque année, les hommes des nations, lors du millénium, ben, iront à Jérusalem pour apporter leurs offrandes, pour adorer Dieu lors de la fête des tabernacles. Voilà. Merci. C'est bon ? Ce qu'il faut comprendre, par le millénium, il y aura au moins trois groupes de personnes. Il y aura d'abord l'Ecclésia, donc l'Église, les saints qui auront vécu à la fois la résurrection pour ceux qui sont morts en Christ, et ceux qui seront enlevés, n'est-ce pas, pour aller à la rencontre du Seigneur, donc l'Ecclésia. Ça, c'est le premier groupe d'individus qu'on aura dans le millénium. Et le deuxième groupe, c'est Israël, d'accord, qui sera restauré, comme le Seigneur l'a annoncé, les prophètes notamment, parce que le retour visible du Mashiach, c'est pour restaurer Israël. D'accord ? Donc, le troisième groupe, ce sont des nations qui auront soutenu pendant la grande tribulation Israël. Comme le Seigneur l'a dit dans Matthieu 25, lorsqu'il va revenir, il va séparer les brebis d'avec les boucs. Et il dira aux brebis, vous m'avez soutenu quand j'étais malade, quand j'étais étranger, quand j'étais dévêtu, tout ça. Donc prenez possession du royaume. Et les brebis en question diront au Seigneur, quand avons-nous vu dans les besoins et t'avons-nous assisté? Et le Seigneur dit qu'il dira à ces brebis qu'à chaque fois que vous faisiez ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est-à-dire Israël, c'est à moi que vous le faisiez. Donc ces brebis dont il est question dans Matthieu 25 n'ont rien à voir avec l'Église. Parce que l'Église aura déjà été séparée d'avec le monde lors de l'enlèvement. D'accord ? Et quand Christ va revenir physiquement, là, il va y avoir une deuxième séparation, c'est-à-dire des nations qui vont se tourner vers le Dieu d'Israël d'avec les boucs, c'est-à-dire les nations qui ne sont pas converties. D'accord ? Donc voilà les trois groupes de personnes qui vont rentrer dans le millénium. Maintenant, les nations, les peuples issus des nations qui vont soutenir Israël lors de la grande tribulation, selon Apocalypse 7, ces peuples-là entreront dans le millénium avec des corps normaux. Et nous, les chrétiens qui aurons vécu la résurrection et l'enlèvement, nous aurons des corps, n'est-ce pas, imputrescibles, c'est-à-dire incorruptibles. C'est-à-dire des corps encore mieux que celui que Adam avait avant sa chute. Parce que Adam était parfait, mais il était corruptible. Voilà pourquoi il est tombé. Mais nous serons incorruptibles. C'est-à-dire, quelles que soient les tentations de Satan, on ne tombera plus. C'est pour cela que nous devons vraiment bénir le Seigneur pour son œuvre, l'œuvre de la croix. Amen. Maintenant, les nations qui vont entrer dans le millénium avec leur corps, les hommes issus des nations, avec leur corps normaux, ils continueront dans le millénium à avoir des enfants. Mais excusez-moi, ils continueront à avoir des enfants, mais est-ce qu'ils pourront encore pécher puisque Satan sera là? Bien sûr, pendant le millénium, pendant que Satan et les démons seront dans le trou, ils ne pourront pas pécher. Parce que le péché va disparaître pendant 1000 ans. Maintenant, à la fin du millénium, Satan va être délié pour qu'il tente de nouveau ses hommes. Pourquoi ? On peut se dire, mais pourquoi Dieu va-t-il libérer Satan ? Pourquoi ne l'a-t-il pas jeté tout dans les temps de feu ? En fait, Dieu est juste. Ces enfants qui naîtront dans le millénium, qui n'auront pas connu la tentation, n'est-ce pas ? Il ne faudrait pas qu'ils disent un jour, Dieu nous a imposé la vie éternelle. Nous n'avons pas eu le choix, la possibilité de choisir entre la mort et la vie, comme tous les hommes. Alors il faudrait que ces enfants-là aussi soient exposés à la tentation pour qu'ils choisissent eux-mêmes, grâce à Dieu bien sûr. Et c'est pour cela que beaucoup d'entre eux seront séduits selon Apocalypse, où il est dit que Satan va encore séduire plusieurs personnes pour livrer la dernière bataille. D'accord ? Voilà. Et c'est pour cela qu'il est dit dans Ésaïe, que l'enfant va jouer avec le serpent. Hein? Les enfants vont jouer avec le basilic, tout ça. C'est parce qu'il y aura des enfants dans le millénium qui vont naître, qui vont grandir, qui vont... Et pourquoi aussi le millénium? C'est simple. Dans l'horloge prophétique, dans le temps prophétique, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour.
Et Adam n'a pas vécu un jour. Il a vécu moins d'un jour. Parce qu'il a vécu 930 ans. Il lui manquait 70 ans pour faire un jour. Or, à partir de un jour dans l'horloge de Dieu, c'est-à-dire 1000 ans, à partir, dépasser 1000 ans, un jour, une fois qu'on a dépassé ce délai, ce temps-là, on rentre dans l'éternité. C'est pour cela que Dieu a dit, empêchons-le maintenant de prendre le fruit de l'arbre pour vivre éternellement. C'est-à-dire pour dépasser un jour. Et c'est pour cela que l'homme le plus âgé de la terre, celui qui a vécu le plus longtemps, c'est Methuselah. Il a vécu 969 ans. Il lui restait juste 31 ans pour rentrer dans l'éternité. Mais avec le péché, ce n'était pas possible. Et c'est pour cela qu'il est mort avant un jour. Et maintenant, l'Apocalypse, Genèse nous parle du premier jour. D'accord? Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut jour 1. Et d'où le jour de Yahweh. D'accord? Le jour de Yahweh. C'est pour cela qu'il fallait que Yahweh devienne Adam, c'est-à-dire humain, et qu'il dépasse le un jour afin d'introduire la descendance du premier Adam qui croit en lui, qui aura cru en lui, de faire rentrer cette descendance-là dans le un jour de Yahweh. D'accord? Et là, après, ben c'est le millénium. C'est pour cela qu'il y a le millénium, c'est-à-dire un jour. Et après le millénium, eh bien, là, nous rentrerons maintenant dans un autre temps, c'est-à-dire c'est l'éternité. D'accord? Et c'est terrible. Et c'est pour cela que la parole nous parle du jour de Yahweh, du jour de Yahweh, du jour de Yahweh arrive. Le jour de Yahweh arrive, le jour de Yahweh arrive. Et Jean a été transporté jusqu'au jour de Yahweh. D'où le millénium. C'est bon? S'il vous plaît. Pour la conversion, il faut devenir évangéliste pour être sauvé? Bonne question. En fait, il ne faut pas être dans une dénomination pour être sauvé. Qu'elle soit évangélique, protestante, catholique, adventiste, assemblée de Dieu, peu importe. Témoin de Jéhovah, tout ça. Là. En fait, pour être sauvé, une seule chose est nécessaire, c'est de croire en Jésus-Christ. C'est aussi simple que ça. Et c'est tout. Et de marcher selon ses principes, selon ses lois. C'est tout. J'ai entendu souvent dire, puisque je suis catholique. Catholique, oui. Est-ce que vous pouvez mettre le micro un peu plus proche? Excusez-moi, je suis catholique et ça fait quelques fois que je suis venue en vous voir. Et j'ai souvent entendu dire que maintenant tu connais les chemins de l'Église, les chemins de Dieu. C'est à toi de décider de vivre ou de mourir. C'est pour ça ma question. D'accord. En fait, on peut se tutoyer? Tu remarqueras que chez les catholiques, la plupart des saints, chez les saints catholiques, il y a très peu d'arabes. Il y a très peu de saints arabes. Moi, je n'en ai jamais vu encore. Il n'y a même pas un seul saint chinois. Et indien, encore moins. Au Congo, ils ont trouvé une sainte, à Noirité, je ne sais pas quoi, là. Donc, voilà. Ils peuvent se soulager avec une sainte. Alors, si le Dieu de l'Église catholique est juste, pourquoi a-t-il choisi que des saints occidentaux? Ça pose un problème. Donc, c'est là qu'on comprend que le catholicisme romain est tout sauf l'Église de Jésus-Christ. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que Jésus-Christ, quand il était sur terre, il était dans une papa mobile? Il était avec les pauvres, il était avec les gens du peuple. Il annonçait la parole à tout le monde. Et ça peut choquer hein, pour quelqu'un qui est né catholique, qui a grandi là-dedans. Mais en fait, oui, mais les personnes qui sont dites saintes au saint, ils ont donné leur vie en pauvreté, non? D'accord. En fait, selon la Bible, celui qui est saint,
Une personne sainte est une personne qui a donné son cœur à Jésus-Christ. Tout simplement. Ça vient du Kodesh en hébreu, qui signifie simplement mise à part. Être mise à part pour Dieu. Et c'est pour cela que tu remarqueras que les lettres de Paul sont des lettres adressées aux saints. Aux saints de Rome, par exemple, dans Romains chapitre 1, verset 7. Ces saints-là étaient en vie. Or, chez les catholiques, les saints sont des personnes décédées et qui ont été canonisées par le pape. Tu te rends compte? Donc, c'est du mensonge. Selon la Bible, celui qui est saint, c'est celui qui est mis à part pour Dieu. Par Dieu et pour Dieu. Donc, tous les chrétiens qui craignent Dieu sont saints. Donc, on t'a trompé. Et maintenant, il faut chercher Dieu avec sa parole, avec la Bible, sincèrement. Voilà. Que Dieu soit béni. Oui. Il y a le micro qui arrive, s'il te plaît. Dans le livre des Colossiens, il est dit que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Mm-hmm. En lisant le livre de Deutéronome 28, ma question est que, est-ce qu'un chrétien peut être encore sous la malédiction? D'accord, bonne question. Non. On peut plus, une personne convertie n'est plus sous la malédiction, ni du péché, ni de la loi, ni de sa famille. Et là, justement, il est dit dans Colossiens 1 que Christ nous a délivrés, le Père nous a délivrés hein, par son fils Yeshua et nous a transportés dans le royaume de son fils en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos fautes. Et Paul insiste encore sur cette rédemption dans Éphésiens 1:3 en disant que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Parce que dans Second, ils ont mis toutes sortes. En fait, dans toute bénédiction spirituelle dans les cieux. Donc, on n'est plus sous la malédiction. Et c'est pour cela qu'il ne faut plus chercher à ce qu'on prie pour vous délivrer de la soi-disant malédiction. Ce n'est pas ça. D'accord? D'ailleurs, sous Moïse, la pauvreté était synonyme de malédiction. C'est pour cela que dans Deutéronome 28, le Seigneur a énoncé un certain nombre de malédictions, n'est-ce pas? Et qui s'abattraient sur des personnes qui se détachaient de la loi, qui ne voulaient pas obéir à sa loi. Et parmi ces malédictions, il y avait des maladies, des hémorroïdes, il y avait la pauvreté également, n'est-ce pas? Donc, sous Moïse, la pauvreté était synonyme de malédiction. Donc, les pauvres étaient maudits automatiquement. D'accord? Maintenant, quand Yeshua arrive, vous vous rappelez dans Marc chapitre 10, il a commencé à dire aux apôtres que il est plus difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. Vous vous rappelez, non? Et quelle a été la réaction des apôtres? Comment ils ont réagi? Comment? Ok, ils étaient choqués, n'est-ce pas? Pourquoi votre avis pourquoi est-ce qu'ils étaient choqués? Tout simplement parce que dans la tête de ces Hébreux, à qui on a dit, par Moïse bien sûr, à qui Moïse a dit, les pauvres sont maudits. Et Jésus-Christ arrive, il dit, eh bien les riches, ceux qui se confient à les richesses, n'entrent pas dans le ciel. Alors pour les apôtres, c'était comme s'il y avait une contradiction entre Christ et Moïse. Vous comprenez? Parce que dans les synagogues, on lisait Moïse. Et Moïse disait que les riches sont forcément bénis par Dieu. Ils sont forcément sauvés. Selon Moïse. D'accord? Parce que celui qui a beaucoup d'argent à l'époque de Moïse était forcément béni par Dieu. Job, notamment, avant Moïse. Et Salomon, qui était l'homme le plus riche de l'époque. David était riche, vous voyez? Abraham avait beaucoup de richesses avant Moïse. Donc, avant Christ, ceux qui avaient des grands biens étaient forcément bénis, considérés comme étant bénis par Dieu et approuvés par Dieu. Et maintenant, Jésus-Christ arrive et il va changer ce qu'on appelle le paradigme. Il va changer le système. Il dit, il vous a été dit. Mais moi, je vous dis.
Voilà la révolution qui commence ici, frères et sœurs. Alléluia. Et pendant qu'il disait ça dans Matthieu 5, 6, 7, 8, il y avait dans la foule des grands religieux qui étaient cachés et qui se sentaient démolis par l'enseignement nouveau de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Il vous a été dit, mais moi je vous dis. Il est en train de parler de lui, il dit, moi. Il n'y a que Dieu qui peut parler comme ça, frère. Voyez, c'est pour cela qu'il dit aux apôtres, il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume. Et la Bible nous dit que les apôtres étaient encore plus choqués, plus étonnés. Ils disent, mais alors, et qui peut être sauvé? Parce que si toi, tu dis que tous les riches, là, c'est pas ça. Alors, et nous qui croyons que la richesse était la bénédiction de Dieu, alors comment on va faire? En fait, là, sous Christ, la vraie bénédiction, elle est spirituelle. La vie éternelle, la paix, la joie, la santé, voyez, l'amour, la miséricorde, la crainte de Dieu, une vie sanctifiée. Voilà la vraie bénédiction. D'accord? Fini. C'est pour cela que l'évangile de la prospérité, mes amis, est un évangile qui conduit les gens directement à l'enfer. Vous avez vu le message de Jacques? Vous les riches pleurez. Car votre or est rouillé. Il nous faut de tels hommes de Dieu. Vous avez compris la réaction, vous avez compris pourquoi l'homme riche à qui le Seigneur a dit, va, vends tout ce que tu as, donne ça aux pauvres et viens, suis-moi. Vous avez compris, il était en colère, nous dit la parole. Parce qu'il avait des grands biens. Voilà. Donc que personne ne vous dise que vous avez des démons si vous avez des problèmes d'argent. Cherchez pas à faire une offrande prophétique pour avoir de l'argent, non. Oui. Oui, bonjour. Oui, moi, ma question concerne le baptême, mm-hmm. le baptême d'eau. J'aimerais savoir qui peut baptiser et dans quelle sorte d'eau on peut baptiser. Bonne question. Alors, il y a beaucoup de débats sur le baptême. Quand on était petit, quand on venait de se convertir en 86, les gens nous disaient, il faut vous faire baptiser dans l'eau qui coule. Absolument. Sinon, vos péchés ne vont pas couler. Alors, il y en a qui vous disent, oh non, on ne va pas baptiser dans une baignoire parce que l'eau ne coule pas. On va baptiser dans un lac. Mais ils sont vraiment hypocrites ou ils ne sont pas enseignés. Parce que quelle est la différence entre l'eau d'une baignoire et l'eau d'un lac? Parce que les deux sont stagnantes. Le lac, c'est comme un grand baignoire, c'est tout. Une grande baignoire. Donc, en fait, c'est le baptême d'eau est obligatoire parce que le Seigneur nous en parle, mais il n'est pas salutaire. Parce que le malfaiteur à la croix, à qui Yeshua a dit, tu seras avec mon paradis aujourd'hui, il n'était pas baptisé. Et Paul dira dans 1 Corinthiens 1 que ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'évangile. C'est écrit, non? Voilà. Donc le baptême signifie simplement immerger, être immergé. C'est aussi simple que ça. Et pour peu importe l'endroit. Voilà. Et qui peut baptiser? Jean 4 nous dit que tous les disciples de Jésus-Christ baptisés. Et qui est disciple de Jésus-Christ ici? Alors vous pouvez tous baptiser au nom de Jésus-Christ. Mmh. Ouais. Satan peut-il ôter ou voler les dons que Dieu nous donne? Ok. Et Satan ne peut pas voler les dons que Dieu nous donne. Il vole bien sûr la parole que le Seigneur nous donne, ça c'est écrit. Mais les dons spirituels, c'est quoi? Les dons spirituels, ce ne sont que des capacités, ou je dirais encore des ouvertures spirituelles, comme des portes que Dieu ouvre, hein, n'est-ce pas, et par lesquelles on a accès, on entre pour avoir accès aux choses cachées. D'accord? C'est comme des ouvertures que Dieu fait. Par exemple, le don de vision, Dieu ouvre, on dit bien qu'il ouvre nos yeux. Hein, d'accord? Donc, c'est des ouvertures comme ça. Maintenant, Satan, tout ce qu'il peut faire, c'est bien sûr nous pousser au péché. Et par le péché, bien sûr, il y a un mur qui s'établit, comme Esaïe le dit, entre nous et Dieu. Esaïe dit, ce sont vos péchés qui mettent un mur, une séparation. Donc, c'est le péché, par contre, qui va nous éloigner de Dieu. Et quand on est éloigné du Seigneur, ben, on ne voit plus. Et très souvent,
on va remarquer que une personne qui avait des dons spirituels et qui pratique le péché va continuer quand même à avoir des visions, des songes, de prophétiser. En fait, ce n'est plus Dieu. Ce sont des démons qui viennent prendre place. Et la personne continue à prophétiser, mais ce n'est plus par l'esprit, mais c'est par les démons. Il y a un mélange. Voilà. C'est pour ça qu'il faut vraiment veiller. Oui, bonjour. Bonjour. En parlant de démons, tout ça, il y a ce qu'on appelle l'esprit humain. Mm-hmm. Quand il y a quelqu'un peut envoyer un esprit humain sur une autre personne. Donc, je discutais avec ma femme et on se posait la question, quand la personne a envoyé un esprit humain sur une autre personne, est-ce qu'il se retrouve sous son esprit? Comment il fait? Parce qu'on sait que l'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit, et l'esprit humain, comme j'ai appris, mais lorsqu'il envoie l'esprit humain sur une autre personne, l'esprit humain possède cette personne, quel est l'état de cette personne à ce moment-là? Eh bien, comme une personne possédée. Non, pas la personne qui a reçu. La personne qui a envoyé l'esprit. Non, la personne qui a envoyé l'esprit, oui. Ah ben, c'est son esprit qui sort de son corps qui va posséder l'autre, oui. Donc après, il n'est plus avec son esprit, il n'a plus son esprit. En fait, quand c'est comme ça, le corps est aussi possédé par un démon. D'accord. Oui, je me rappelle, il y a 15 ans, j'étais dans un pays européen pour prier pour une famille qui est affectée par la sorcellerie. Et une de leurs filles, qui avait à l'époque 16 ans, était une reine sorcière dans le monde spirituel, démoniaque. Elle était carrément l'épouse, une des épouses de Satan. Et ses enfants, il y en avait plusieurs qui étaient affectés par la sorcellerie, m'ont dit, quand nous sortons la nuit pour aller travailler dans le deuxième monde, dans le monde démoniaque, et on part de minuit, me disait-il, pour rentrer vers 5 heures. Et il me disait également qu'il arrivait des jours, des moments où, parfois, où il ne pouvait pas rentrer parce qu'il y avait beaucoup de travail. Et qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, comme il travaillait avec des démons, et ils envoyaient des démons aller prendre possession de leur corps, rester à la maison. Et le matin, il se réveillait comme si de rien n'était. Et ce sont des démons qu'on appelle des démons familiers, qui connaissent bien, qui travaillent avec ces sorciers et qui connaissent bien leur vie, leur famille. Et ces démons qui habitaient ce corps se réveillaient avec ce corps. Et les parents qui étaient là aussi ce jour-là voyaient leurs enfants se réveiller normalement, les saluer, faire les choses qu'ils avaient l'habitude de faire, aller à l'école, tout ça. Mais ce n'était pas les esprits de leurs enfants quand ils étaient restés de l'autre côté. Voilà. Parce que le corps physique, là, la Bible l'identifie comme une tente. C'est juste une maison. Le vrai toi, c'est celui qui est à l'intérieur, que tu dois nourrir avec la parole. Oui. Oui, pour continuer la question de la sœur tout à l'heure, en parlant du millénium, aujourd'hui, en Israël, les rabbins sont en mouvement de par la parole de Dieu pour reconstruire le temple où se trouve la grande mosquée. Donc, le temple sera-t-il réellement rebâti? Bonne question. Et Thessaloniciens nous apprend que le diable va, par l'homme impie, s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et nous savons que nous sommes d'abord nous sommes aujourd'hui le temple du Saint-Esprit. Et il se trouve que dans la plupart de nos assemblées, qui constituent bien sûr le temple de Dieu, hein, donc selon la parole, et ces temples sont habités aujourd'hui par des démons. Même si on ne veut pas généraliser, mais vous n'êtes pas sans savoir que la majorité de nos églises sont possédées par les démons. Hein. Voilà. Ça, il ne faut pas le nier. On n'a jamais connu autant de pasteurs impudiques, voleurs qu'aujourd'hui, que dans notre génération. Donc, ce sont des temples qui sont possédés. Donc, c'est déjà le cas. Maintenant, nous croyons aussi effectivement que le troisième temple sera reconstruit. Mais ce n'est pas le temple dont il est question dans Ézéchiel 40, de 40 à 48. Ça, c'est un autre temple. Mais le temple, effectivement, sera reconstruit. Est-ce que ça sera à l'endroit où il y a la mosquée, cette mosquée ils sont en train de négocier, mais je ne pense pas. Voilà. Parce que ça va déclencher la troisième guerre mondiale. De toute façon, ça va venir.
mais ça sera toutefois à côté. Voilà. Oui, ma soeur. Ça va? Ça vous intéresse les questions-réponses là où vous voulez qu'on continue un peu encore quelques minutes? Ok. Comme ça, il y a un échange. Je voulais demander que, enfin, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent de mari de nuit et de femme de nuit. Mm-hmm. Je ne comprends pas qu'on puisse. Enfin, justement, vous avez dit tout à l'heure que quand on était en Christ, toutes les choses. Enfin, on n'a plus la malédiction de. Ouais. Je comprends. Pourquoi des chrétiens, certains chrétiens sont-ils possédés? Voilà, c'est ça. Ok, c'est simple. Il y a deux hypothèses. La première, selon la doctrine apostolique, biblique, lorsqu'un enfant vient au monde, deux choses se passent. On le dit souvent. La première, c'est le cri. L'enfant crie, pleure. On est d'accord? Pourquoi? Parce que ses poumons se remplissent d'air, ça brûle. Donc il pleure, il crie. Alléluia. Gloire à Dieu. Mm-hmm. Je veille. Hein. C'est bizarre, à chaque fois, je dis qu'il y a quelqu'un qui semble un peu tac. On l'a... Dieu est bon. Vous savez, j'aime bien le partage comme ça. On est frères et sœurs. Hein, pour les vrais enfants de Dieu, on partage. Nous ne sommes pas des bishops qui viennent et qui imposent les choses aux gens. Il faut s'exprimer, il faut partager. Nous sommes une famille. Et donc, selon la Bible, lorsqu'un enfant vient au monde, même selon la nature, hein, lorsqu'un enfant vient au monde, il crie, premièrement, parce que les poumons se remplissent d'air. La deuxième chose, c'est quoi? C'est le cordon ombilical qui est coupé. On est d'accord? Comme ça, l'enfant n'a plus un lien direct avec sa mère. Il va être indépendant de sa mère. Et il va s'alimenter seul et non plus par le cordon ombilical. Il va respirer non plus par le cordon ombilical. Et voilà. Donc, c'est la même chose qui se passe. Le Seigneur a dit à Nicodème, n'est-ce pas, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, il a fait un parallèle entre la naissance physique et la naissance spirituelle. Donc, pareil, lorsqu'une personne naît d'en haut et pas née de nouveau comme on nous l'a appris hier. D'accord? Né d'en haut. C'est pour cela que quand on est né d'en haut, eh ben, pareil, quand un enfant vient au monde, eh ben, la première chose qui se passe, c'est quoi? Notre esprit se remplit du Saint-Esprit. Donc, du coup, nous n'avons pas besoin qu'on nous enseigne sur comment prier. Tout comme on n'apprend pas à un bébé qui vient de naître comment pleurer. C'est naturel. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et non selon que l'un bishop avait enseigné. Donc du coup, naturellement, celui qui est né de nouveau commence à pleurer, commence à prier, commence à chanter. On se dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, parce qu'il est né d'en haut, pardon. Alléluia! Dans Acte 2, ils étaient peureux. Ils étaient enfermés dans une chambre haute. Quand l'esprit est descendu, ceux qui étaient peureux, enfermés par crainte de juifs, ont quitté la chambre haute pour aller parler dehors. Voilà la naissance d'en haut, on est d'accord? Et la deuxième chose qui se passe, selon Hébreux 4, 12, l'Esprit de Dieu, l'épée, la parole, vient et coupe, sépare les liens familiaux et ancestraux représentés par le cordon ombilical. Coupé d'un seul coup. Et c'est pour cela que Paul dit dans Romains 11, vous avez été, n'est-ce pas, séparé de, n'est-ce pas, de l'olivier sauvage. On est d'accord, hein, il le dit. L'olivier sauvage, c'est le monde, les liens familiaux ancestraux, le péché. Paul dit, vous avez été séparé, coupé, avec la parole de Dieu. Dieu coupe. Donc du coup, eh bien, toutes les malédictions familiales, tout ça là, les maladies ancestrales, les maladies, tout est coupé à la naissance d'en haut, à la conversion. Définitivement, non, Yeshua. Alléluia. Les démons qui vous possédaient, tous sont sortis ce jour-là. Parce que dans le mot salut, soteria en grec, le mot salut signifie quoi? Délivrance, sécurité. Donc non seulement que Dieu te délivre, mais en même temps, il te donne la sécurité du salut. Il te conserve ta délivrance. D'accord? Littéralement, il te prend du marché. Il te rachète. Parce que racheter, c'est prendre, acheter quelque chose qui t'appartenait. Donc, il t'achète au marché,
D'accord? Agora. Et non seulement qu'il t'achète, mais il t'extrait de ce marché. Il t'extrait, non seulement qu'il t'extrait du marché, mais en même temps, il te te conserve quelque part en lui. Donc, il arrive au marché, il t'achète, premièrement, il te rachète. Il paye la rançon, non à Satan, mais à son père. Et il te sort du marché. D'accord? Pour t'amener où? Dans le royaume de Dieu. Tu te rends compte? Colossiens 1 le dit également. Transporté du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Alléluia. Donc ça veut dire que les démons qui te possédaient avant, les passent, les gens qui te contrôlaient avant, eh bien, ne te voient plus. Alléluia. Les ancêtres, tout ça ne te voient plus, les sorciers, tout ça, c'est fini. C'est pour cela que Yeshua a envoyé les apôtres pour aller détacher l'anon, là. Vous vous rappelez de l'histoire, là? Mais ils l'ont détaché, donc ça c'est le rachat, la délivrance. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont extrait de sa prison, du marché, on est d'accord, hein? Et pour l'amener où? Dans la Jérusalem, l'image du ciel. Voilà la doctrine apostolique. Et là, fini. Voilà pourquoi une personne qui se convertit, ben, naturellement, commence à craindre Dieu. Elle a un dégoût de sa vie passée. Elle confesse ses péchés même devant tout le monde, elle n'a pas honte. D'accord? La vie qu'elle reçoit est tellement sainte qu'elle vit naturellement la sainteté. On est d'accord? Maintenant, les démons qui ont été chassés, comme Matthieu 12 le dit, lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, il va par les lieux arides cherchant du repos. On voit bien qu'il est sorti. Mais quand ils sortent comme ça, là, ils ne vont pas vous lâcher. Jusqu'à votre mort, ils vont toujours nous tourner autour. Veillez et priez car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Il rôde autour de ceux qui sont sortis de sa prison. On est d'accord? Maintenant, il faut connaître nos faiblesses maintenant. Quelles étaient vos faiblesses dans le monde? Si c'était l'alcool, Satan ne va pas te tenter par la cigarette. Toute ta vie, il cherchera à t'avoir par l'alcool. Si c'était la colère, par la colère. Si c'était le mensonge, par le mensonge. Si c'était le sexe, par le sexe. Jusqu'à la fin de ta vie. Et c'est pour cela que chaque chrétien doit connaître ses faiblesses dans le passé pour prendre des mesures adéquates, pour ne plus tomber dans le même péché, dans le même travers. D'accord? Maintenant, on comprend qu'une personne convertie n'est plus possédée, n'est plus d'alliance ancestraux et familiaux. On est d'accord? Voilà. Et ces personnes-là, ces chrétiens-là, il y en a très peu dans nos assemblées. La deuxième... Maintenant, pourquoi certains chrétiens sont-ils possédés? Tout simplement, il y a deux raisons. La première, c'est que ces chrétiens convertis réellement ont ouvert des portes à Satan, ont donné accès à Satan, comme la parole dit dans Éphésiens, si vous mettez en colonne, ne péchez pas. Et si vous mettez en colonne, et ne donnez pas accès à Satan. Donc, par le péché, non confessé, ben, on donne, n'est-ce pas? Par le péché, tout simplement, on donne accès à Satan. Les démons qui étaient sortis, et là ils reviennent. Et Pierre nous dit, n'est-ce pas, leur dernière condition, comme Matthieu 12 le dit également, est pire que la première. Et ces chrétiens-là, qui étaient véritablement convertis, délivrés des liens familiaux ancestraux, eh bien, qui se replongent dans le péché, eh bien, sont devenus pires qu'avant. C'est pour cela que la pire de méchanceté se trouve dans les assemblées. La pire de jalousie, de cupidité. Parce qu'ils deviennent pires qu'avant, deux fois pires qu'avant. D'accord? Et ils sont apostats. Il y en a qui repartent dans le monde, qui ne vont plus dans les assemblées. D'autres sont tellement hypocrites qu'ils conservent, qu'ils font semblant d'être toujours chrétiens. Mais en fait, ils ne le sont pas. Ils nous fréquentent, ils peuvent chanter, ils peuvent même prêcher, ils peuvent même aller en mission, ils peuvent même prendre le micro, témoigner, pleurer. Mais ils sont hypocrites. Derrière, ça couche, ça va sur les sites porno, ça ment, ça vole, ça convoite le pasteur, ça convoite le prédicateur, tout ça là. Ils sont parmi nous. D'où le blé est livré. Cette parabole, vous comprenez? Ils sont établis apôtres, prophètes, docteurs, bishops, tout ce que vous voulez, mais derrière, il y a autre chose. Tu as une partie qui repart dans le monde, hein, une autre partie qui reste au milieu de nous. C'est livré. Maintenant, ces chrétiens-là, eh bien, ils sont constamment possédés. Quand il y a des manifestations, parfois les démons sont chassés, mais quand ils sortent de là, eh bien de nouveau ils replongent le péché parce qu'ils ne veulent pas confesser, ils sont hypocrites. Satan les tient parce que l'hypocrisie, c'est quoi? L'hypocrisie, hypocrite en grec,
c'est jouer un rôle. Les acteurs, chez les Grecs, on les appelait les hypocrites, parce qu'ils se mettaient dans la peau d'autres personnages. C'est ça, en fait, l'hypocrisie. Donc, du coup, ces chrétiens sont hypocrites. Ils sont là, bonjour frère, bonjour ma sœur. Ils mangent lors de nos agapes. Mais ils sont hypocrites. Et ils sont possédés, bien sûr. C'est pour cela qu'on dit qu'il y a des chrétiens qui sont possédés. D'accord ? Et une autre hypothèse, c'est que ces chrétiens-là, possédés, ne sont pas chrétiens, comme Simon le magicien. Ils s'étaient fait baptiser. Ils ne quittaient plus Philippe. Donc, il était membre de l'église de Philippe, si on peut parler comme ça. Il était le bras droit de Philippe. Il était étonné par les miracles. Donc, tu peux être étonné et ne pas être converti. Ce n'est pas l'étonnement dont Dieu a besoin, c'est la conversion. Alléluia. Maintenant, à un moment donné, quand les apôtres sont arrivés, ils ont dit, repens-toi parce que tu es dans un fiel amer. Donc, il n'était pas converti, il était toujours lié. Donc, c'est des gens qui font semblant. Ils sont là, ils viennent parce que bon, il y a beaucoup de monde, il y a des belles filles, des hommes qui sont beaux, tout ça. Et bien, on peut avoir de l'argent facilement parce que les chrétiens sont tellement naïfs que quand quelqu'un vient tout de suite, frère, bonjour ma soeur, alors que ce n'est pas le cas. Donc du coup, ils sont parmi nous. Ils n'ont jamais été convertis. Et bien ceux-là, quand il y a l'onction qui vient, pareil, il y a les démons, oh, ça part. Et ensuite, ils ramassent, ils sortent là, oh, ça ne m'intéresse pas, ils retrouvent leurs démons. Et c'est pour cela que les bishops deviennent des thérapeutes parce que vous allez constamment les voir pour avoir des délivrances. Oui. Bonjour. Bonjour. Je voulais poser une question par rapport à la biomédecine. En tant que chrétienne, comment peut-on se positionner face aux dons d'organes? Ok. Le Seigneur a dit l'amour consiste à quoi? À donner sa vie à ses amis, dons d'organes. Vous avez un enfant qui a un problème de santé, qui a besoin d'une transfusion. Et il se trouve que vous avez le même groupe sanguin. Vous faites quoi? Vous le laissez mourir? Non. Pour nous sauver, Dieu a fait quoi? Il nous a donné son sang. On est d'accord, non? Il a dit aux apôtres, le Seigneur a dit, buvez mon sang. Ben, pas physiquement comme ça, mais on comprend. Ça avait choqué les gens. Parce que Moïse leur disait, il ne faut pas boire le sang. Jésus-Christ arrive, il leur dit, buvez mon sang. Il va encore plus loin, mangez ma chair. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, mes amis, là? Il mérite vraiment la gloire. Donc, ma sœur, oui, il y a un abus. Parce que Apocalypse 18 nous dit que dans la Babylone, c'est le cas actuellement, on y est, il y aura un commerce, tout autour de commerce, notamment d'âmes humaines, et c'est le cas. Donc ça, nous décrions, nous dénonçons ces pratiques, mais toutefois, n'est-ce pas, donner un organe parce que Dieu l'a permis à un frère, à une personne, à un membre de sa famille, de ta famille qui en a besoin, donc je ne pense pas que ce soit un péché parce que le Seigneur a dit que l'amour consiste à donner sa vie. Or la vie, c'est le sang, selon Lévitique 17. On peut, si Dieu permet, bien sûr, voilà, pourquoi pas, si ça peut aider les gens. Ce n'est pas un problème. Mais que cela soit fait selon par conviction personnelle aussi. Hein. Il ne faut pas en faire une doctrine pour imposer cela aux gens. Voilà, il faut la sagesse, il faut l'équilibre. Oui, bonjour à tous. J'avais une question en fait. La Bible nous dit que nul n'est monté, c'est celui qui n'est descendu en parlant de Christ. Donc du coup, je me posais la question, où étaient passés Enoch et Élisée. Très bonne question. Le Seigneur l'a dit dans Jean 3:13. Personne n'est monté au ciel, c'est celui qui est descendu au ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est bizarre, hein? Il est sur terre, il est au ciel. Voilà pourquoi on dit que Jésus-Christ est Dieu. D'accord? Maintenant, Jésus-Christ est la vérité. Donc, il ne peut pas mentir. Donc, nous comprenons que quand les Écritures disent que Élie a été enlevé, déjà, Enoch, on n'a pas dit qu'il était enlevé au ciel, on dit que Enoch, Dieu l'a pris. On est d'accord? Ok. Et maintenant, Élie, on nous dit qu'il était enlevé au ciel. D'accord. Mais il faut comprendre que les Écritures nous parlent de trois cieux. D'accord? Paul dit qu'il a été ravi jusqu'au troisième ciel, jusqu'au paradis. Or, Yeshua, n'est-ce pas, dit que personne n'est monté au ciel. Pourquoi? Parce que, justement, selon Hébreux,
le chemin qui conduit au lieu, au sein de saint, qui conduisait au sein de saint, n'était pas encore manifesté. Parce que dans la seconde, vos Bibles, là, on a dit ouvert. En fait, ce n'est pas ça, manifesté. Donc, c'est un chemin qui devait se manifester. Et ce chemin, c'était un homme, Yeshua. Donc, comme ce chemin n'était pas manifesté, révélé, personne ne pouvait monter au ciel. Donc, on peut comprendre que Élie était caché quelque part, parce qu'il y a trois cieux, Dieu l'a caché quelque part, mais pas dans le paradis, non. D'accord ? Bonjour. Bonjour. Dieu, dans sa parole, a dit, il a pris toutes nos maladies sur la croix de Golgotha. Mm-hmm. Mais pourquoi est-ce que les gens sont toujours malades ? Très bonne question. Et de deux, Dieu a créé tout le monde. Mm-hmm. Satan fut la créature de Dieu. Mm-hmm. Mais pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas définitivement empêcher Satan pour que les gens ne pêchent plus ? Ok, très bonne question. Alléluia. C'est intéressant, hein, que ce soit les questions-réponses. Hein? Voilà. Hein? C'est une question qui revient régulièrement, tout le temps. Et bon, pour répondre à la première question, il a pris toutes nos maladies, nous sommes d'accord. Et on a même dit qu'il a vaincu la mort, et je le crois, la parole le dit, mais pourtant nous mourons. On est d'accord, hein? Ok. Mais en fait, un temps viendra où il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus la mort, parce que Christ a tout accompli déjà. On est d'accord? Mais présentement, nous avons l'autorité pour pouvoir prier et guérir les gens au nom de Jésus-Christ. Et prier pour les morts et les ressusciter au nom de Yeshua. Parce qu'il a tout accompli. Mais il attend désormais que ses ennemis soient sous son marchepied. Soit son marchepied, comme la parole le dit. Donc, et puis on tombe aussi malade parce que ce n'est pas parce que ce sont les démons qui nous attaquent. Ou c'est parce que aussi nous mangeons mal. Alléluia. On a aussi une responsabilité. Si vous vous mettez à manger trop de sucre, trop de choses trop salées, vous risquerez, vous allez avoir des problèmes de santé. Voilà pourquoi Dieu disait aux enfants d'Israël de ne pas manger du cochon, du porc. Pourquoi ? Parce que c'est un animal qui mange de tout, comme une poubelle. Donc pour avoir une santé, une bonne santé, Dieu leur a conseillé de ne pas manger cet animal. D'accord ? Voilà. Donc d'abord, on est malade parce qu'on mange mal. On est aussi malade parce qu'on a beaucoup de soucis. D'accord ? Ça provoque des maladies. Et on est malade parce que aussi l'atmosphère est remplie de microbes. Ce qu'on mange aussi, tout ça, tout est pollué. Et on est malade aussi parce que tout simplement nous sommes humains, nous n'avons pas encore reçu le corps incorruptible. On est d'accord ? Donc on vieillit, c'est pour ça qu'on vieillit. Maintenant, pourquoi Dieu, Satan n'est pas la créature de Dieu. La créature de Dieu, c'était un chérubin avant qu'il ne devienne Satan. Je dirais Satan, c'est la créature du péché, de lui-même. Il est devenu Satan à cause de lui-même. Mais Dieu le savait à l'avance, on est d'accord. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas empêché? Mais il fait ce qu'il veut. Il dit, n'est-ce pas, dans Psaume 115, 3, il est dit que notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire, il y a des questions que nous ne voulons même pas nous poser parce que Dieu fait ce qu'il veut. Il dit, de qui suis-je débiteur? Je le payerai. Il dit à Job, quand je crée le monde, tu étais où? Il dit, regarde l'hippopotame, là. Regarde les animaux, là. Quand je les ai créés, tu étais où? Donc, en fait, il a permis que Satan soit Satan pour faire éclater tout simplement sa gloire. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Oui, jeune homme? Bonjour, moi, en fait, j'ai une question. Mm-hmm. C'est par rapport aux musulmans. Aux musulmans. J'aimerais savoir quel est le sort que Dieu leur réserve, en fait. En fait, il y a des musulmans, déjà, on sait qu'ils sont dans le faux. Bibliquement parlant, ils ont une autre doctrine. Car en dehors de Christ, il n'y a pas de salut. La parole dit, là c'est clair. Maintenant, parmi ces musulmans, il y en a qui sont sincères dans leur démarche. Et parce qu'ils cherchent Dieu en tâtonnant, sincèrement, Dieu, s'ils meurent comme ça, ils ne sont pas sauvés, attention, parce que seul Christ nous sauve. Mais Dieu, dans son amour, se révèle à eux pour qu'ils viennent à la lumière. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de musulmans, tu vois, dans les pays musulmans. Moi, j'ai eu l'occasion d'y aller régulièrement, notamment en Tunisie. Eh bien, il y a beaucoup de musulmans qui rencontrent Christ et qui sortent de l'islam pour suivre Jésus-Christ. Ils respectent les commandements, ils seront sauvés ou pas? Personne ne peut respecter les commandements de Dieu sans Jésus-Christ. D'accord? Parce que c'est au-dessus de notre portée. D'accord? C'est impossible. Parce que les exigences de la justice divine sont telles qu'aucun homme ne peut, n'est-ce pas, les remplir. C'est impossible.
Chose impossible. Voilà. Ok, vous avez des questions par rapport à la révision de la Bible que nous faisons ou pas là, ça. Qui a des questions là-dessus? Par rapport à la révision de la Bible? Oui. Il y a un débat entre les tests minoritaires et le test majoritaire. Et je voudrais savoir sur quel texte s'appuie la révision de la Bible. Alors, sur la révision que nous sommes en train de faire par la grâce de Dieu. Et en fait, nous révisons sur les. En fait, cette Bible est issue des textes majoritaires, c'est-à-dire les textes byzantins, d'accord, qui sont des textes propres, purs et qui n'ont pas été corrompus. Parce que là, voilà. D'accord. Mais justement, il y a. J'avais lu un texte qui parlait de que au départ la Bible elle n'était pas écrite puisque le texte byzantin il parle des textes grecs je crois. Oui, et voilà. Les textes byzantins et il est question essentiellement des textes des écrits grecs, voilà. Et ben, qui sont des écrits qui n'ont pas été corrompus et des écrits purs et traduits directement des textes originaux qui eux n'existaient plus. D'accord. Voilà. D'accord. Et les textes minoritaires sont des textes, alexandrins, qui ont été corrompus par des scribes juifs. Et ces textes ont donné naissance à la majorité de vos Bibles, en fait, de nos Bibles. Second, tout ça. Là, d'accord. Notamment. Okay. Par exemple, je vais prendre juste l'exemple comme ça, vite fait. Dans vos Bibles, par exemple, vous avez dans la seconde, et il est dit. Il y a beaucoup de passages qui n'existaient pas. Beaucoup de phrases qui n'existaient pas. Parce que c'est des phrases qu'on ne trouve pas dans les textes, par exemple, alexandrin. Et je prends un exemple. Il y en a plein. Par exemple, dans l'Apocalypse, chapitre 1er. Au verset 8, je crois, le Seigneur dit qu'il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, et va et diffuse cette parole en gros aux églises. Et dans vos textes, par exemple, de second, il n'y a pas la première partie. Je suis l'alpha et l'oméga. Ça n'existe pas. Et aussi, second, est-ce que vous savez que second, qui a traduit la Bible la plus répandue dans le monde et à part la Tob, la Bible catholique, Segon n'était pas du tout, ne croyait pas que Jésus-Christ est Dieu. Et il n'était pas totalement converti. Et il a vraiment, en traduisant cette Bible, il a, pour rendre facile la lecture, eh bien, il a enlevé beaucoup de choses. C'est impressionnant. À chaque fois que nous faisons ce travail, parce qu'on est presque à la fin, nous sautons, nous crions, mais Seigneur, mais c'est terrible, on comprend pourquoi tu nous as demandé ce travail. C'est impressionnant. Mais pourquoi est-ce que depuis tout ce temps, justement, il n'y a pas eu des révisions qui. Tu veux dire, ça fait quand même 2000 ans que. Ça fait 2000 ans que les textes sont, sont là et existent. Ça fait plus de 1000 ans que l'imprimerie a existé. Comment se fait-il que jusqu'à aujourd'hui, les textes qui ont été modifiés ou déformés n'ont jamais été, à part la réforme, parce qu'il y a eu Luther, il y a eu Calvin, il y a eu tous ces... Ils ont fait ce travail. Luther, Calvin ont fait ce travail. Ils ont traduit leur Bible à partir des textes, majoritaires, notamment la Bible de l'épée, la Bible de Calvin, qui est une vieille Bible, et tout ça là. Qui est aussi une Bible correcte. Mais ces Bibles-là ont été volontairement mises de côté. J'ose croire que parce que l'industrie, parce que la plupart des maisons de la Bible, tout ça, des éditeurs bibliques, sont financés par les maçons pour cacher la vérité aussi aux gens. Ça, vous devez le savoir. Et aussi, même dans les textes majoritaires, qui sont des textes corrects,
Et il y a des traductions qui n'ont pas été faites correctement. Certaines Bibles ont traduites correctement, comme la Darby, par exemple. La Martin. Non, pas la Martin. King James. King James, non. King James, oui, mais... Chouraki, même si sa Bible est issue des textes minoritaires, mais étant d'origine juive, il a traduit certaines choses correctement. Par exemple, dans Genèse 1 et dans Genèse 2, dans vos Bibles, dans la plupart des Bibles, si vous lisez, vous verrez qu'il est écrit, dans verset 15-16, Dieu dit à Adam, tu ne mangeras pas, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. D'accord ? Oui. C'est faux, ce n'est pas comme ça. Ah. En fait, Dieu a dit littéralement, tu mangeras. Ce n'est pas tu pourras manger. Est-ce que tu comprends ? Je ne saisis pas la nuance. tu ne saisis pas la nuance ? Oui, tu pourras manger, tu mangeras. Tu mangeras. C'est un ordre. D'accord, je vois maintenant. Ce n'est pas pareil. Oui, c'est... Tu feras. Tu pourras faire. Donc, ça veut d'ailleurs, dire tu peux ne pas faire. Ça veut dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il devait le manger, en fait. Non, il devait manger. Il dit, tu mangeras de tous les arbres du jardin. Est-ce que je... Oui. Est-ce que vous... On passe à autre chose ou c'est intéressant ce que l'on partage là? C'est bon? Tu mangeras. Pourquoi? Écoutez bien. En hébreu, chez les Hébreux, dans la culture hébraïque, il y a la notion de la répétition pour que les gens reçoivent correctement l'enseignement. C'est pour cela que Yeshua, en tant qu'un bon juif, quand il est venu, il a dit « en vérité ». Vous comprenez? Il y a toujours une répétition. Et dans vos Bibles, c'est écrit dans Job 33, 15, c'est écrit quoi? Si quelqu'un peut me lire ce passage vite fait. Je vous sens fatigué. Vous êtes attentif, c'est bien. Quelqu'un peut lire ce passage? Alain, merci. Tu peux lire, mon frère Moïse, merci. Tu n'as pas cherché. Ouais. Quelqu'un qui a trouvé cela? T'as? Ok. Surnom? Une virgule. Ok. Mon frère? Donc Job 33, 15. Ils ont eu peur. Ils ne répondent plus. Job 33. 33. Pardon. Ouais, c'est 14. 14, hein? Oui. D'accord. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est faux. Vous voyez comment on nous a menti ici aussi? Dieu parle ce moment-là tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce n'est pas vraiment ça. En fait, c'est écrit, Dieu parle une fois, une deuxième fois. Vous comprenez? Est-ce que vous commencez à comprendre un peu là? C'est ce que le texte, n'est-ce pas, nous disent. Les textes hébraïques. Dieu parle une fois, une seconde fois. Et souvent, on ne prend pas garde. Parce que chez les Hébreux, n'est-ce pas, il y a la notion de la répétition. D'accord? Est-ce que vous comprenez un peu là? Ok. Maintenant, Ségon est venu, il a dit non, ça, c'est pas bien. C'est pas vraiment. Non, ça coule pas. Et moi, ça m'intéresse pas de lire ça comme ça. Je mets tantôt une fois, tantôt une autre fois, tantôt une fois, d'une manière ou d'une autre. Non, c'est pas ça. Parce que quand on dit. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il peut te parler en songe, demain, il te parle en vision, en prophétie. C'est ce qu'on nous dit ici. Mais c'est pas ce que ce passage-là veut dire. Ce passage-là veut dire Dieu te parle en songe une fois, et demain, il revient en songe toujours, une deuxième fois, sur le même sujet. C'est pour cela que Joseph dit à Pharaon, si le Pharaon a vu le songe se répéter une deuxième fois, c'est que la chose est arrêtée devant Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Amen. Est-ce qu'on commence à comprendre un peu là?
Dis à ton voisin, l'heure de la délivrance est arrivée. Alléluia! Qui se sent libre un peu, là, frères et sœurs? Ok, on arrive, gloire à Dieu. Ouh, j'aime la parole, j'aime. Dieu va nous libérer, frères et sœurs. Donc, ça veut dire quoi? Si tu fais un songe qui se répète une deuxième fois, commence à faire attention parce que Dieu insiste, parce que Dieu dit, c'est moi qui parle. Voilà pourquoi Gédéon dira à Dieu, ne te fâche pas, je voudrais une seconde fois. Ouh! Amen. Est-ce que vous commencez à comprendre? On en arrive. Laissez-moi finir ce que j'ai à donner là, tout ça. Là. Donc Dieu dit dans Genèse là-bas à Adam, tu mangeras de tous les arbres du jardin. Pour insister sur le fait que Adam ne devait manger que ces arbres-là. Et ensuite il lui dira, quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, tu n'en mangeras pas. En fait, le verbe manger hein, donc, a été utilisé, a été le premier verbe. En fait, dans ce passage-là, ce verbe est utilisé deux fois de suite. Donc, il y en a un que Segond a traduit par pouvoir. Le verbe pouvoir. Ce n'est pas ça, c'est manger. Tu pourras manger. Non, ce n'est pas ça. Tu mangeras. Ensuite, Dieu dit, tu mangeras de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ben oui, frère, sœur, on a été complètement lobotomisés. Maintenant, pourquoi tu mourras et tu mourras? Parce que Jésus dit dans Apocalypse 2:13, 2:11, n'est-ce pas? À celui qui vaincra, n'est-ce pas? Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alléluia! Comment quelqu'un qui est mort physiquement peut encore mourir? Il y a la mort physique et il y a la seconde mort qui est les temps de feu. Voilà. Donc le péché, mes amis, nous conduit à la seconde mort aussi. C'est impressionnant. Dieu nous parle de deux morts. Ouh, Jésus sauve-nous. Il y a des choses, frère, il y a des choses. Tu sais, on est là, on saute de gens, on dit, Seigneur, mais ce n'est pas possible. On découvre des choses. On se dit, mais on comprend pourquoi Jésus, n'est-ce pas, a dit, faites-moi cette révision. Et qu'en 8 mois, il nous a donné plus de 100 000 euros, alors qu'on avait besoin seulement de 84 000 euros pour sortir les 10 000 exemplaires. Et en moins de 5 ans, nous, par la grâce de Dieu, Dieu nous a mis à cœur d'imprimer plus d'un million de Bibles, que tous les pays francophones soient inondés par cette parole, frères et sœurs, car c'est le temps de la réforme, c'est le temps de la préparation, car l'époux revient, frères et sœurs. Au nom de Yeshua, Alléluia!